beaucoup. Donc voilà, comme prévu, ma petite explication de l'épreuve de compréhension d'écrit du Delphes. Donc on va descendre vers la page, la page 8. Donc la compréhension des écrits, comme pour les oraux, c'est sur 25 points. Donc chaque partie est sur 25 points, hein, pour un total de 100 points. Donc, quand on voit ça, on peut avoir un petit peu peur. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord de regarder les consignes. Donc, l'exercice 1, vous voulez offrir un livre à vos amis français. Vous lisez cette publicité. La deuxième consigne, donc vous la regardez directement avant même de lire les documents. Quel livre va intéresser vos amis? Associez chaque document à la personne correspondante. Attention, il y a 8 personnes, mais seulement 6 documents. Cochez une seule case pour chaque document. Donc oui, souvent dans le Delphes, il y a des questions avec plus de d'éléments que de réponses. Faites bien attention à ça. Ça veut dire qu'il y aura deux personnes qui n'auront aucun cadeau. Donc ensuite, on va regarder quelles sont ces personnes. Donc on a Gladys qui attend un bébé, Simon qui apprend le russe, Vincent qui adore les animaux, Paul qui est passionné de voyage, Lucie qui prend des cours de théâtre, François qui veut acheter une maison, et Odile qui est présidente d'un club de foot, et enfin Mario qui commence des cours de cuisine. Donc on va regarder qu'est-ce que sont ces livres qu'on nous propose. Document 1, Beau jeu de Mike Powell. Ce livre montre l'ambiance des compétitions sportives au plus près de l'action, des spectateurs et des sportifs. Donc là, on a deux fois le mot sportif, donc on va regarder qui est sportif dans le tas. Donc pas Gladys, parce qu'elle c'est le bébé, pas Simon, nanana, nanana. Bon. Je pense que vous avez trouvé. Il y a une seule personne qui fait du sport et c'est... Oui, j'espère que vous avez bien trouvé, c'est Odile. Ensuite, document 2, juste une casserole de Sabrina Fodarol. Le livre idéal pour les cuisiniers débutants qui ont seulement une casserole. Donc là, on a quelque chose pour les cuisiniers. Donc on va voir, est-ce qu'on a quelqu'un qui fait de la cuisine? Bébé, russe, animaux, voyage, théâtre, maison, club de foot et cuisine. Donc ça va être pour Mario. Document 3, guide du comédien d'Alain Hegel et Éric Normand. Alors là, comédien, c'est un mot que vous connaissez pas forcément tous. C'est quelqu'un qui fait de la comédie. Donc un acteur. Un livre de conseils pour tous ceux qui veulent devenir acteurs et les autres. Vous voyez que souvent il y a deux fois le mot clé. Il y a deux éléments qui nous donnent l'indice. Là on avait sportif et sportif. Là on avait casserole et cuisine. Et là on a comédien et acteur. Donc c'est bien en général il y a un synonyme pour que même si vous ne comprenez pas un mot, vous puissiez vous rattraper sur le deuxième. Donc on regarde acteur, acteur. Bébé, russe, animaux, voyage. Ah, prends des cours de théâtre. Donc là, c'est pas le même mot, mais le théâtre, c'est des acteurs. Donc ce sera pour Lucie, le numéro 3. Ensuite, document 4. J'élève mon enfant, de Laurence Pernoud. Votre enfant vient de naître et vous posez des questions sur son sommeil, son alimentation. Encore une fois, on a deux fois le mot-clé, enfant, enfant. Donc je pense que vous avez déjà deviné, ça va être pour... Oui, c'est pour Gladys qui attend un bébé. Ensuite, document 5, Paradis blanc de Li Gang. Un beau livre pour les amoureux de la nature, des magnifiques photos de chevaux et d'oiseaux sauvages. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Paradis blanc, ça ne dit pas grand-chose. Amoureux de la nature. Des photos de chevaux, d'oiseaux sauvages. Vous voyez encore là, on a trois fois des indices. Nature, chevaux et oiseaux. Bébé, c'est déjà fait. Russe, on n'a pas encore fait. Animaux, ça paraît quand même la bonne réponse. Puisqu'on a deux animaux qui sont cités. Et enfin, document 6, Transsibérien de Marc Dedouka. Vivez une aventure magique à bord de ce train unique qui traverse trois pays, Chine, Russie, Mongolie. Donc, vivez une aventure à bord de ce train qui traverse des pays.
Donc là, il y a un petit piège parce qu'on a la Russie et on a vu qu'il y avait Simon qui apprenait le russe. Mais bon, c'est juste un piège parce qu'en fait, c'est bien pour Paul qui est passionné de voyage. Le document 6. Donc je répète, le document 1, c'est pour notre Odile qui est présidente d'un club de foot. Donc sportif, sportif, foot. Le 2 avec les casseroles, c'est pour Mario. Il commence des cours de cuisine. Le 3, c'est pour Lucie qui prend des cours de théâtre. Et le 4, c'est pour Gladys qui attend un bébé. Le 5, c'est pour Vincent qui adore les animaux. Et le 6, c'est pour Paul qui est passionné de voyage. Donc on n'a pas de cadeau pour Simon et on n'a pas de cadeau pour François. Ben, si vous avez des questions, vous pourrez me les poser après, mais j'espère que vous avez bien compris. Donc ensuite, on passe à l'exercice 2. Vous faites du basketball dans un club, vous recevez cette lettre. Donc encore une fois, je vous conseille d'abord de regarder les questions avant de lire le texte. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. La fête a lieu dans un stade, une salle, un restaurant. Que gagne la meilleure équipe du club? Alors, de l'argent, des équipements sportifs ou un ballon de basket? De quoi va parler le médecin? Du sport en équipe, du sport et de la santé, du sport chez les adolescents? Et que pouvez-vous faire pendant cette soirée? Donc, soit on peut danser, soit on peut jouer au basket, soit on peut manger. Les organisateurs de la soirée demandent si vous pouvez aider à installer la salle avant la soirée, faire le ménage après la soirée ou acheter du matériel pour la soirée. Si vous voulez venir à la soirée, vous devez quoi? Envoyer un courriel, téléphoner à Angélique, aller au secrétariat du club. Donc, on va déjà regarder la première, la fête. Où est-ce que a lieu la fête? Donc, a lieu, hein, ça veut dire l'endroit. Donc, on va regarder. Chers adhérents, nous vous invitons à la soirée d'été du club de basketball le samedi 16 juin à partir de 18h à la salle A. Donc ça, ça paraît être un bon indice de réunion du club. Donc la réponse c'est un stade, une salle ou un restaurant? J'imagine que vous avez trouvé, c'est une salle. Donc déjà, on va dire que pour la prochaine, on peut se douter, pas la prochaine, mais cette question-là, on peut se douter que dans une salle de réunion, ils vont peut-être pas jouer au basket. Mais on verra plus tard. Donc ensuite, que gagne la meilleure équipe du club? Alors, programme. 18h, exposition de photos des matchs importants de l'année. 18h30, remise de survêtement avec le nom du club à la meilleure équipe. Donc là, on a la meilleure équipe. Donc on imagine que c'est un prix. Donc on a les survêtements. Les survêtements, c'est ça. Alors ensuite, c'était de quoi va parler le médecin? Du sport en équipe, du sport et de la santé, du sport chez les adolescents. Donc faire du sport pour être en forme. Alors là, il faut connaître l'expression être en forme, qui veut dire être en bonne santé. Discussion animée par le docteur Martin, médecin du sport et basket-head, joueur professionnel. Donc là, le mot-clé, c'était être en forme. Donc ça va parler de la santé. Donc c'est la réponse B. Ensuite, on veut savoir s'ils vont danser, jouer au basket ou manger. Donc c'est dans une salle de réunion, donc on dit que peut-être jouer au basket, ce sera quand même compliqué. 20h, repas. Donc voilà, on a la réponse. Ils vont manger. Donc c'est la réponse C. Alors ensuite, qu'est-ce que les organisateurs de la soirée demandent? Est-ce que vous pouvez aider à? Donc nous recherchons des personnes pour aider à. Donc on est bon. À l'organisation de la soirée. Alors est-ce qu'on a organisation de la soirée? Installer la salle avant. C'est pas pareil qu'organiser. Faire le ménage après, c'est pas non plus organisé. Acheter du matériel, pas non plus organisé. Mais où est la réponse? Donc on regarde, servir le repas, faire la vaisselle, nettoyer la salle. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble? Servir le repas, c'est pas vraiment comme installer la salle. Faire le ménage, nettoyer. Bon.
Ça paraît être la bonne réponse. Donc celle-là était un peu compliquée, parce que ça pouvait prêter à confusion, mais c'était bien faire le ménage, qui veut dire la même chose que nettoyer. Et enfin, si vous voulez venir à la soirée, vous devez, donc là encore un piège, pour nous aider, contacter Angélique au 06 33 25 65 98. Donc bien lire, c'était pas pour venir, c'est juste pour aider. Donc c'est pas le bon contact. Par contre, merci de confirmer votre présence par email à clubbasket@orange.fr. Donc c'est ça qu'on cherche. Et là, c'est donc envoyer un courriel. Donc j'ai déjà dit en cours, mais pour rappel, un courriel, c'est un email. Alors on continue à descendre. L'exercice 3. Vous travaillez dans une boulangerie. Vous lisez ces documents. Donc vous êtes dans votre boulangerie et vous lisez ces documents. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Document 1. Donc on va regarder les questions. Quand vous arrivez au travail, que devez-vous faire en premier? Mettre des gants, vous laver les mains, attacher vos cheveux. 2. Où pouvez-vous mettre vos vêtements et objets personnels? À l'accueil, en salle de pause, dans la salle d'eau. D'abord, quelle est la première chose qu'on fait en arrivant au travail? À votre arrivée au travail, nettoyez-vous bien les mains à l'eau et au savon dans la salle d'eau. A. Donc c'est les mains. Donc c'est B. Vous lavez les mains. Donc ça après, mettez votre tenue de travail. Rangez vos affaires personnelles. Ça paraît correspondre à vos vêtements et objets personnels. Dans le placard de la salle de repos des employés. Salle de repos, c'est comme salle de pause. Donc c'est la réponse B. Document 2. Bonjour, merci de me remplacer pour servir les clients au magasin. Tous les prix sont affichés, mais si besoin, j'ai mis la liste des prix à côté de la caisse. Pour rappel, les chèques ne sont pas acceptés. Madame Sanchez va passer prendre un gâteau au chocolat vers 10 h. Elle a déjà payé. Le ticket de caisse est près du téléphone. Le gâteau est dans le frigo. Merci Sylvie. Donc la liste des prix des produits est à côté du frigo, de la caisse, du téléphone. Alors, les prix. Donc merci de me remplacer. Les prix sont affichés. Bon, ça ne nous dit pas où c'est. Mais si besoin, j'ai mis à la liste des prix à côté de la caisse. Donc c'est bien ça la réponse, c'est de la caisse. Et ensuite, on a une autre question. Une cliente doit venir pour payer, passer, chercher, payer une commande, passer une commande ou chercher une commande. Donc, Madame Sanchez va passer prendre un gâteau au chocolat. Donc, prendre un gâteau au chocolat, ça va être bien chercher une commande. Donc, c'est la réponse C. Le document 3, mode d'emploi. Donc, on va regarder les questions. Ah, je me suis trompée, j'ai pas regardé les questions avant. Grosse erreur. Donc, document 3, ce document vous propose de faire des glaces au yaourt, aux fruits ou au chocolat. Pour réussir votre glace, vous devez faire très attention à la température de l'eau, au nombre d'œufs utilisés, à la durée de marche de la machine. Donc, déjà, on veut savoir à quoi sont les glaces. Alors, mode d'emploi, machine pour faire des glaces. Mélanger. Le lait, la crème, les jaunes d'œufs et le sucre. Pour l'instant, on n'a ni yaourt, ni fruits, ni chocolat. Ajouter des morceaux de fraises, bananes, oranges. Ah! Donc là, on a notre réponse. Fraises, bananes, oranges. Donc c'est des fruits. Ensuite, pour réussir votre glace, vous devez faire très attention. Donc, verser la préparation dans la machine. Appuyez sur le bouton marche en bas à droite de la machine. Mixez 4 minutes 30 maximum. Sinon, donc, mixez 4 minutes 30 maximum. Sinon, la glace devient trop dure. Donc là, on a un maximum. C'est sûrement ça. Donc, est-ce que c'est la température de l'eau, le nombre d'œufs ou la durée de marche? 4 minutes 30, c'est bien une durée. Donc c'est la durée de marche de la machine. Réponse C. Et la dernière question, donc l'exercice 4.
avec un petit article de journal. Donc, encore une fois, on va regarder les questions avant pour répondre aux questions, cocher la bonne réponse. Donc, cet article parle d'un musée, d'un parc de jeux, d'une salle de spectacle. Jean Jumel s'intéresse au train depuis qu'il est enfant, vrai ou faux? Que pouvez-vous faire dans ce lieu? Conduire des trains, construire des circuits de train, rencontrer des conducteurs de train. Ce lieu est réservé aux personnes âgées, vrai ou faux? Qui a aidé Jean Jumel à réaliser son projet? La mairie, des étudiants, l'office de tourisme. Quel jour pouvez-vous aller au musée? Le lundi, le jeudi, le dimanche. Donc là, c'est un document un petit peu long avec beaucoup de questions. Donc déjà, de quoi ça parle? Petit train, une nouvelle idée de sortie à Brest. Bon, alors là, on n'a aucune idée si c'est un musée, un parc de jeux ou une salle de spectacle. Jacques Le Cornec, le maire de Brest, a fêté samedi l'ouverture d'un nouveau musée. Ah, donc on a la réponse. C'est un musée. Ah. Créé par Jean Jumel, un passionné de petits trains depuis qu'il a 5 ans. Jean Jumel s'intéresse aux trains depuis qu'il est enfant. Depuis qu'il a 5 ans. Donc c'est bien depuis qu'il est enfant. C'est vrai. Que pouvez-vous faire dans ce lieu? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce lieu? Dans ce musée, vous pouvez voir 10 trains électriques qui se déplacent dans de magnifiques décors, mais aussi des films sur l'histoire des trains français. Et le premier samedi de chaque mois, venez rencontrer des conducteurs de train. Donc, dans ce musée, vous pouvez voir 10 trains électriques, voir des films, et on peut rencontrer des conducteurs de train. Donc, est-ce qu'on peut conduire des trains? Non, on a dit que c'était que voir. Est-ce qu'on peut construire des circuits de train? Non, c'était voir des trains. Et est-ce qu'on peut rencontrer des conducteurs de train? Oui, on peut rencontrer des conducteurs de train. Donc, c'est vrai. C'est cela, réponse C. Ce lieu est réservé aux personnes âgées. Ce lieu peut plaire aux personnes de 2 à 100 ans. 2 à 100 ans. Quand on a 2 ans, on n'est pas âgé, puisqu'âgé, ça veut dire vieux. Donc c'est faux. Qui a aidé Jean Jumel à réaliser son projet? Deux jeunes en formation à l'université de Brest ont aidé Jean à réunir les 10 000 euros nécessaires à la réalisation du projet. Donc, deux jeunes en formation. En formation, c'est comme vous, c'est être étudiant. Et comme ils sont jeunes, donc, qui a aidé Jean Jumel à réaliser son projet? Eh bien, c'est des étudiants. Les deux jeunes en formation. Quel jour pouvez-vous aller au musée? Donc, ouvert du mardi au samedi. Donc, du mardi au samedi. Donc, le lundi, c'est pas ouvert, puisque ça commence à ouvrir le mardi. Le jeudi, c'est bien entre mardi et samedi, donc c'est ouvert. Et le dimanche, ben non, c'est fermé aussi. Donc c'est la réponse B. Donc maintenant, comptez bien tous vos points comme on a fait et dites-moi combien vous avez à cet exercice. Si vous avez plus, je peux vous le renvoyer. Enfin, je vais vous le renvoyer. Au revoir.